Attends, en fait, je suis arrivé dans un stade où vous savez quoi? Maintenant, dans mon Snap. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sarah Frézou qui s'exprime après les nombreuses moqueries concernant son couple sur la toile. Vous l'ignorez peut-être, mais il y a quelques jours, Sarah Frézou a pour la première fois divulgué sur ses réseaux sociaux une photo de son compagnon. Une photo tant attendue qui a rapidement fait parler les internautes et principalement les tweetos. Et pour nombre d'entre eux, le nouveau chéri de Sarah Frézou serait tout autant profiteur que son ex Ahmed Taï. La jeune femme a alors réagi et met les choses au clair. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Regardez Twitter et à rigoler, voilà. Eh, je vous jure, vos vannes à notre sujet, on adore. Vous savez quoi? Continuez. On adore ça. Vous avez de l'inspiration. Il m'a envoyé une photo de moi dans le toboggan. Les bâtards qu'ils ont mis sur la photo du toboggan où on va gravir, ils ont dit à m'envoyer son mec quand même aux Maldives. Ouais, le gars va nous jeter jusqu'au Maldives. Non, franchement, continue, vous allez de toute façon. C'est une bonne journée. Ouais, c'était trop cool. C'est bisous de nous. Et bisous même à ceux qui nous détestent. Et ceux qui nous aiment, on vous fait un gros bisou. Moi, je voulais parler d'un sujet. Les gens, vous en avez pas marre de ne plus pouvoir vivre? Parce qu'en fait, maintenant, une vanne, c'est détourné. Un mot sorti de son contexte, c'est détourné. Des gens qui vous plaisent pas physiquement, vous les critiquez. Voilà. Tout le temps. En fait, je suis arrivée dans un stade où vous savez quoi? Maintenant, dans mon Snap, je vais snapper ce que je veux. Je vais vanner qui je veux. Et celui qui n'est pas content, bah faites ce que vous avez à faire. Franchement. Parce que mon esprit, si vous avez bien remarqué, il n'y a plus personne. Et même les gens lambda, hein, les gens pas connus ou quoi. On n'ose même plus snapper parce que vous prenez tout. C'est dur de snapper naturellement. Faire attention à tout ce qu'on dit, faire ci, ça, il n'y a plus de vannes qui passent. En fait, vous voulez le naturel, mais vous ne l'acceptez pas. En fait, vous faites passer les gens. Passer les gens pour ce qu'ils sont pas, en fait. Pourquoi ça, franchement, ça change quoi votre vie? Vraiment, je vois, par exemple, on a regardé des trucs un peu sur les réseaux, on va parler global. On voit par exemple des jeunes mamans, elles partent en vacances, vous les critiquez, ils sont vos enfants, ils sont ici, ils font ça, mêlez-vous de vous. Une meuf, elle est un peu grossie, ouah, t'as vu comment elle est grosse, non, elle a trop maigri, non mais elle croit qu'elle est maigrie, elle est dégueulasse, elle a si, enfin, arrivé à un moment donné. Mais voilà, qu'est-ce qu'on s'en bat les reins de vous plaire, sérieusement. Moi, je plais à ma communauté qui me suit depuis des années. Le reste, là, les nouveaux, là, parce que les bébés qui viennent de sortir du ventre à leur mère, qui se font des comptes, franchement... Non, ils se font... c'est pas ça le pire, c'est qu'ils se font des comptes et qu'on voit pas leur tête et qu'ils critiquent « Oh, elle est grosse, oh, il est gros, oh, il a maigri, oh, il a... Ah, » frérot, fais-nous voir ta tête, s'il te plaît. On peut voir ta... Moi, je nous trouve beaux, quand même. Encore aujourd'hui. Oh là là. C'est un problème, Mexico. Non, franchement, moi, je les aime bien. Le seul truc qui me dérange, quoi, c'est les larmes. Moi, ouais, parce qu'elles ont un peu la même taille. Elles sont trop grosses. Il m'en parle déjà depuis le premier jour où il l'a fait. Enfin, faut arrêter. Stop. Moi, j'en vois qu'il tweet des 40 tweets par jour depuis des années. Genre, ça fait un an minimum qu'il dit ouais, « Sarah, si, Sarah, ça, Sarah, si, Sarah, ça. » Mais frérot, si tu l'aimes pas, pourquoi tu tweets 40 fois? Tu fais attention à tous les snaps qu'il a fait. Il fait la muscu avec son pouce. Il a mis bien. Abusé. Et ça fait peur, hein. Ça fait peur. Tu passes ta journée à regarder les snaps des gens et les critiquer. Elle est où ta vie, frère? T'as dit quoi? Attends, c'est pas beau.